La parole est accordée au député de la troisième circonscription, l'honorable Bélizer. Merci. Non, faut mobiliser la somme là, ouais, moi. Collègue Quentin, vous avez la parole. Non, mais c'est un problème technique là, il faut le résoudre avant. Donc, c'est vous qui dirigez l'Assemblée. La parole est accordée au député Vickerson. Merci. Négatif, Président. Collègue Vickerson, vous avez la parole. Donc, quel est le problème? Donc, vous parlez pour la télé, pour les caméras ou pour l'Assemblée? Non, il faut payer à informer. Non, mais on est en direct. Il faut payer à informer. C'est une projection qu'on fait, collègue. C'est un minimum. C'est une projection. Donc, la caméra est là. Merci. Donc, on est déjà en direct. On est en train donc, de rire de vous sur Internet. Donc, vous avez c'était comme l'autre bureau. Vous avez la parole. Président, mon bureau, collègue, moi, j'ai gagné plusieurs jours, je vais intervenir là. Par rapport avec l'hypocrisie qui a dégagé dans le temps, nous. Je dis là tout le monde conscient, quel que soit appartenance politique ou non, quel que soit niveau économique, quel que soit provenance sociale, tout pays a conscient que nous avons un pays qui trouve au bord de l'abîme. Mais malheureusement, nous autres, au niveau du Parlement, nous ne pouvons pas prendre conscience que je dis un pays n'est pas dirigé. Et pas de monde qui dirige le pays. Nous gagnons que des mercenaires qui prennent le pays en otage pour régler propres affaires personnelles contre intérêts supérieurs nationaux. Nous avons regardé ce qui a passé dans différentes zones dans le pays, dont la Caïmoué. Côté que nous gagnons des dirigeants dans l'État qui démissionnaient des responsabilités sociales. Côté que les gens qui vivent dans le quartier populaire sont des gens qui abandonnent l'État socialement pas présent, mais à chaque fois qu'il est question de campagne électorale, quel que soit le président, le sénateur, quel que soit le monde qui est candidat pour un poste électif, ils sont dans tout le quartier populaire. Les ce sont des anges qui gagnent au niveau des quartiers populaires. Mais quand ils finissent pour pouvoir, ils sont installés dans l'État. Les gens dans le quartier populaire ont traité autant pour chien et les gens ne sont pas les gens. Et ce n'est pas sans raison, monsieur le président. Les Lavalas étaient au pouvoir. Et pour tout pays qui a attendu et qui a gardé là, les Lavalas étaient au pouvoir, nous avons un budget qui était sorti de 12 milliards à 16 milliards de goudes 2003-2004. Et avec 16 milliards de goudes, ça, dans chaque quartier populaire, où tu as un lycée qui a fait, l'école nationale, un centre de santé, tu as ensemble des réalisations sociales dans le pays. Regardez avec 16 milliards de gouttes, regardez l'hôpital Delma 33, pendant que je dis là, l'hôpital général n'a pas fonctionné, côté que tu as un bon centre de santé qui n'a pas fonctionné, c'est grâce à l'hôpital Delma 33 que le président Jean-Baptiste a fait. Et pendant que sous Matéli, nous avons un budget qui est évalué à 121 milliards de gouttes. Et je dis à la passe de 121 milliards de goudes à 141 milliards de goudes, mais mon latrine pas faite dans le quartier populaire. Donc, l'éke, sous président Jean-Bertrand Aristide sous la Valas, il te dit la Valas c'est qu'on a baillé mon yo zam dans le quartier populaire. Mais zam qui est au TP, que la Valas c'est qu'on a baillé dans le quartier populaire,
ces âmes éducatives. Yo. Par exemple, le président Jean-Bertrand Aristide Grand Avin, ils font un lycée qui est le plus gros lycée dans le pays. Les Cité Solaire, ils font un lycée. Les La Saline, ils font un lycée. Je dis à tous les gens qui ont des âmes dans le pays, sont blues qui sont comme médecin. C'est ingénieur, c'est agronome qui est. Donc la classe rétrograde, ces âmes éducatives qui ont été. Et depuis après 2004, ces âmes-là sont remplacées par des âmes maîtrières programmées par l'État. Malheureusement, ça qui a passé aujourd'hui, là, nous autres parlementaires, nous ne prenons pas conscience de ce qui a passé. Les que nous avons ce qui a passé dans le quartier populaire, yo. Nous avons un ministre de l'Éducation nationale qui est celle qui a assassiné la Kaili et premier ministre. Là, au lieu qu'elle fasse solidarité à un ministre qui perd Célia, il fait qu'on ait que le pays a une sécurité. Et je dis là, heureusement, nous autres de l'opposition, au niveau de la Chambre des députés, nous avons toujours pris des positions pour nous défendre l'intérêt majorité. Heureusement tout, je dis là, nous, collègues APHO, rejoignez-nous, côté que nous lançons un ultimatum de 72 heures à gouvernement ça, et que le pays a pris note. Pays à prendre note pour que l'État soit capable de prendre responsabilité. Je dis à là encore, nous avons que le droit de la parole là, li tout à fait. Nous capable de dire. Merci. Président, le droit à la parole est presque monopolisé par le pouvoir ça qui là. Et une manifestation fait aujourd'hui là, pendant que nous là, un jeune garçon qui a tiré au niveau de Delma 55. Pense qu'il y a demandé, il faut que ça change. Et ça qui a passé dans le quartier populaire, le président, l'autre bagaille, c'est une sorte de distraction qui est liée. Pour nous oublier la question, 3 milliards 800 millions de goudes, alors 3 milliards 800 millions de dollars américains qui ont été dilapidés par l'ancien régime. Non. Et 3 milliards 800 millions de dollars ça qui étaient dilapidés, je dis à la mettre 14 milliards de goudes. Dans le budget pour nous payer pour nous, pour le peuple payer pour nous, pour les matissants, pour les grands villes, pour les petits bois payer pour nous, tandis que les gens qui vivent dans la zone, mais les bons sont descendus au Bahreïn, mais les bons marchés publics au Bahreïn, ils n'ont pas besoin d'aucun accompagnement social. Donc je tiens là, pour que son pétro-caribé n'a pas parlé encore, pour que son mobilisation dans l'arrière n'a pas parlé encore, nous allons tourner les la au niveau des quartiers populaires à travers de l'insécurité programmée. Merci. Coup de sang tiré tout pour nous parler des quartiers populaires. Question pétro-caribé, pas parler encore. Merci. Donc je tiens la paysan, la suivre nous. Paysan suivre nous. Il y a plus de un mois, côté que y a une lettre qui est adressée à Birosa pour que le ministre de la Justice soit interpellé. Et jusqu'à maintenant, en un barème fait, et m'a gardé rapport ça, et me profite pour me saluer l'ensemble des commissaires qui sont présentés au rapport tout à fait magistral et qui mettent en question. Collègue, non, mais finalement, bon, 2 secondes pour conclure. Merci. Qui souhaite mettre en évidence l'irresponsabilité du ministre de la Justice, malheureusement, l'aide de l'interprétation, ça a en fait autour de lui-même. Donc, je dis là, comme le bloc majoritaire, 72 à gouvernement, ça a pu interpeller, troisième circonscription qui a souffert, qui a un problème social, il prend note, la saline prend note, tout pays a prend note. Parce que je dis à la nous, gouvernement, qui a cagoté richesse pays, contre intérêt, moun qui vivent dans le pays, contre intérêt citoyen. Donc, collègue à PHO, 72 heures de temps, ça qui est le gouvernement. Pays à prendre. Merci. Collègue Claude Lestivière.